Alors ça, vous n'allez pas croire aussi, non? Vous n'allez pas croire. Parce que vous croyez dans un truc, enfin, une sorte d'organisation diabolique qui s'appelle Shalom. Beaucoup de gens s'entraînent Shalom, Shalom, Shalom. Shalom. Tout ce que ces gens font, c'est Shalom. Ce n'est pas Jésus qui nous dit Shalom. Acte 12, il n'y a de salut à aucun autre. Car il y a été sous le ciel, il y a été donné sous le ciel. Aucun autre nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui. Alors là, vous allez me dire, bon, voilà, c'est rien, c'est pas vrai. Alors, le pasteur a demandé à la sœur d'écarter les jambes et que le serpent arrive pour donner un bébé à cette sœur. Merci, sœur. Que bon Dieu bénisse. 100% évangélique, bon Dieu bénisse. Bonsoir, mais c'est pas tout ce que vous continuez encore. Oui, oui. Mais c'est pas que les villes chrétiennes nous sont vraiment prises. Ne croyaient pas en Jésus-Christ. Ils ont cru en leur pasteur franc-maçon, leur pasteur gourou, qui vont chez des bocons à chaque fois, que ce soit en Haïti, soit à Saint-Martin. Parce que beaucoup de pasteurs à Saint-Martin sont tout le temps chez les bocons pour que leurs églises puissent s'agrandir. Et beaucoup de fidèles le sachent très bien que leurs pasteurs vont chez des bocons. Et leurs pasteurs ont des femmes de fidèles entre leurs mains. Ils ne disent rien. C'est ce qu'il a demandé pour que toutes ces femmes-là élargissent leurs jambes. Mais pourquoi est-ce qu'elles doivent élargir leurs jambes? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Parce que quand la sœur a dit que le pasteur avait demandé d'élargir leurs jambes, là, je suis étonné en disant, mais pourquoi les jambes doivent être élargies? Pourquoi? Pourquoi? Alors, c'est pour que le serpent, c'est le pasteur, c'est le diable. Parce que ces pasteurs-là, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des francs-maçons, des bocors. Vous avez devant vous. Ils ne connaissent pas la parole. Beaucoup de gens sont envoûtrés dans leur camp de concentration des églises, des bacas, des églises du diable. Hein? Ils sont là, comme le pasteur que vous venez de voir, que vous connaissez très bien, qui vous a demandé d'étendre un drap blanc. Vous le voyez dans cette cérémonie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire, des francs-maçons. Vous le voyez? Et vous le voyez sur la piste des danses en train de danser comme s'il était dans une boîte de nuit. Et c'est une boîte de nuit, ça. C'est un camp de concentration. C'est une discothèque. Abominablement, blasphématoirement, abominable. Vous le voyez. Vous le connaissez bien. Et son assistante qui est à côté, qui danse plus que toutes les Africaines. Vous voyez comment elle danse. Vous le voyez. Alors, si vous voulez rester, vous entendez un pasteur, vous ne savez même pas où est-ce qu'il vient. Si c'est un homme de Dieu, ben vous présentez vous présentez devant lui en attendant qu'il vous impose les mains et vous comble de baka. Alors je vous le dis aujourd'hui, sortez de ces camps de concentration, de ces équipes du diable. À Saint-Martin, il y en a beaucoup. Beaucoup des églises de diable ici à Saint-Martin. Beaucoup de pasteurs de Boko à Saint-Martin. Vous le savez. Et des gens qui vont en Haïti, qui ne sont pas chrétiens, rencontrent ces pasteurs chez des Ougans, qui vont prendre des choses pour agrandir leurs églises. C'est la raison pour laquelle, bien que leurs fidèles voient la vérité, ils ne peuvent pas quitter ces camps de concentration. Et la dernière fois, je vous ai dit une chose, beaucoup de gens disent que j'étais fou, que j'avais perdu ma tête. Mais non, je n'ai pas perdu ma tête. J'ai toute ma tête. Oui, c'est vrai. Un pasteur, et la prochaine fois, je vous présenterai cette vidéo. Un pasteur, il voulait que son église agrandisse. Il est allé chez un boko. On lui a demandé un bébé. On lui a demandé un bébé. Je vais vous présenter ça. Il a emmené le bébé. Il a emmené le bébé. Vous entendez dans les livres qu'on dit des bébés disparus tout le temps. Mais c'est une réalité. Et en plus, ce qu'il a fait en plus pour capter les filles, parce qu'il avait demandé avec le prêtre Brodou
comment peut-il faire pour que quand il parle, pour que les fidèles lui obéissent quand il demande de l'argent. Le prêtre de Vaudou lui a dit, ah ben, il fallait boire un petit cola. C'est quelque chose en Afrique qu'on boit. Eh bien, dans ce truc-là qu'il a bu, ça a passé 3 jours dans son ventre. Et après, il a fait ça, il a jeté ça par bas, hein, par les excréments. Ils ont pris les excréments, ils ont ajouté d'autres choses, ils ont fait sécher l'excrément en le transformant en poudre. Et après, ils ont, à chaque dimanche qu'ils vont donner la communion, ils ont déversé un petit peu de poudre dans le vin. Et après, ils donnent aux fidèles. Et les fidèles mangent boivent des excréments sans savoir. Oh, vous allez dire que je mens là. Pour les zèbres là, les chrétiens qui mangent des zèbres, je mens aussi. Non, pas du tout. C'est la vérité. Hein? Ce n'est pas seulement moi qui dénonce ces choses. Vous ne connaissez pas. Et il y a des gens qui connaissent les pasteurs dans ce genre de pratiques, mais ils gardent leur bouche fermée sans pouvoir parler. Et ce sont des gens qui disent que je suis chrétien et j'aime Jésus-Christ, c'est mon mari. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Alors, en buvant du vin, vous buvez de l'excrément. Et c'est ce qui vous égare. C'est ce qui égare les gens, qui les empêche de voir la vérité, d'accepter la vérité. C'est ce qui les empêche d'accepter la vérité. Ils ont une demande, ils ont d'entendre la parole de la vérité. Et quand ces pasteurs gourous arrivent, tout le monde se prosterne parce que c'est un Dieu. Hein, c'est un Dieu. Ils demandent 500, tout le monde apporte 500. Alors, vous pensez que c'est comme ça, vous donnez les 500? Hein? Quelqu'un, vous lisez la Bible. Quelqu'un vous a dit de donner 500 $ pour avoir un bébé et vous l'avez donné. Et vous dites, vous êtes chrétien après. Alors, vous payez pour avoir un bébé. Hein? Vous acceptez à quelqu'un qui vous dit d'étendre un drap blanc et vous étendez un drap blanc et vous mettez de l'argent. Beaucoup de gens me disent, mais Frère Patrick, c'est faux, c'est pas vrai. Mais pourtant, des fidèles actuels, des fidèles qui sont là, disent, c'est vrai. Et si vous voulez que je vous donne la vérité, je vous passe la vidéo. Parce que beaucoup de gens disent, c'est faux. Mais c'est la vérité. Des draps blancs, tous les gens le sachent. Et tous ces gens-là qui ont déposé de l'argent dans ce drap blanc, tous ce sont des fils de la perdition. Ce sont des gens envoûtrés, ensorcelés. Ce sont des gens qui sont dans la salle d'attente pour l'enfer, que ces gens doivent sortir de ces camps de concentration pour accepter Jésus-Christ, parce qu'ils ont les yeux bouchés, les yeux fermés. Et ce sont des gens qui disent qu'ils connaissent la vérité. Ouais, ouais. Mais vous déposez de l'argent dans un drap blanc pour avoir un bébé, hein, pour être guéri, pour avoir une maison, une voiture. Jésus-Christ ne vous a pas promis de l'argent, de voiture, mais c'est la vie éternelle qu'il vous a promis. 100% évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oui, allô, Frère Patrick. Le Seigneur vous bénisse, mon frère. Oui, l'abstention de l'évolution là. Oui, mon frère. Et abaissez un peu votre récepteur, s'il vous plaît. Écartez un peu de la télévision. Ok. Ok, le dernier là, c'est bon? Oui, c'est très bon là. Oui, qui n'a pas fait nos vidéos là, parce que nous disons, c'est pas vous qu'on dit, vous. Pas de problème, très bientôt. Ah ben, d'accord. Ah ben bon, merci, ça me donne de continuer. Ok, soyez bénis, mon frère. Bye bye. Alors bon, chers téléspectateurs, comme vous le voyez, vous l'entendez, et la sœur, j'aime que le Seigneur Jésus vous bénisse. Parce que vous ne faites que confirmer ce que nous sommes en train de dire. En donnant ce témoignage de la sœur qui voulait avoir un bébé et qui va chez ce pasteur Boko Gourou et qui lui a dit d'écarter les jambes et que les serpents approchent. Hein? Vous avez des serpents, être enceinte d'un serpent en disant que c'est Dieu qui m'a donné un bébé et ça c'est un blasphème. Beaucoup de gens ont des choses dans la sorcellerie, dans le vol, dans le fraude. Et après, il dit, c'est le Seigneur qui m'a donné. Mais vous blasphémez. Le Seigneur n'est pas dans le mensonge. Le Seigneur n'est pas dans le fraude. Le Seigneur n'est pas dans le péché. Non, vous avez la femme du frère. Vous avez le frère de la sœur dans vos mains, entre vos mains. Et vous dites, vous êtes chrétien. Mais c'est abominable. C'est abominable. Hein? Un frère va en Haïti, juste comme ça, et il n'est pas converti, c'est normal. En arrivant chez un bocon, on lui a dit d'attendre. En attendant, qu'est-ce qu'il voit sortir? Un pasteur!
Un pasteur à Saint-Martin qui sort. Alors, il vient de prêcher, enfin, il vient de prêcher le bancor. Parce que leur habitude, ils ont un petit truc sur le main pour voir qu'ils vont voir un voisin. Surtout, ils vont très loin pour aller chez ces bancors. Très loin. Là où ils pensent qu'il n'y aura pas des gens qui le connaissent. Pourtant, il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas convertis, qui vont tout le temps, et des gens de l'église aussi qui vont chez ces bancors. Et quand vous pensez que personne ne vous voit, on vous voit, pasteur. On vous voit. On vous voit. Vous allez ensorceler, les capter, envoûter ces fidèles dans l'égarement avec les serpents qui sont autour de l'assemblée, hein, à la porte. Dès que la personne traverse, eh bien, ils sont envoûtés. Et ils restent là. Ils disent, bon, ouais, j'aime là. Ah, non, ce n'est pas un problème. Le pasteur, ce n'est pas mon problème. Moi, je sais Jésus. Mais Jésus est là. Jésus n'est pas dans ce camp de concentration, ma soeur. Jésus n'est pas dans ce camp de concentration, mon frère. Non, Jésus n'est pas là. Comme le pasteur qui ensorcelle les fidèles. Non. Dans la dîme, il mange comme si on disait que la dîme, c'est pour le pasteur. Mais vous n'êtes pas sacrificateur, pasteur. Et le temps des sacrificateurs n'existe plus. Et vous ensorcelez les fidèles dans la dîme. Non, vous êtes méchants. Et ce n'est pas biblique, c'est anti-biblique. 100% évangélique, dernier appel avant nos parties. Bon Dieu béni. Merci pour les vacances. Ok, mon frère. Oui, oui. Et sans aller savoir, est-ce que vraiment la vidéo ça va passer déjà ou elle est claire ou même le vidéo des sacrifices de bébés vivants? Non, parce que là où il y a un code sauté, un code bloqué, c'est mon corps en Haïti. Non, ça, il n'y a pas une vidéo là. C'est dans les autres qu'il y a des vidéos. Non, les autres pasteurs, les pasteurs qui font des sacrifices de bébés, c'est pas ici à Saint-Martin. Je vous fais. C'est pas ici à Saint-Martin. Non, c'est pas ici à Saint-Martin. Non, c'est pas à Saint-Martin. Surtout, il faut remarquer, c'est pas à Saint-Martin les sacrifices de bébés enterrés vivants. C'est pas à Saint-Martin. Mais pour les pasteurs de Bocor qui vont chez des Bocor, c'est à Saint-Martin. Il y a des Bocor, c'est à Saint-Martin. Exactement, à Saint-Martin. On va confirmer à Bamiyo. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ok, bye bye. Bon, chers téléspectateurs, nous vous remercions dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth et nous vous recommandons et nous vous mettons garde, comme je le dis tout à l'heure, de Shalom. Je crois qu'il y a Radio Shalom, Télé Shalom, Shalom ceci, Shalom cela. Je vous mets en garde contre cette congrégation ou organisation diabolique. Ce n'est pas l'évangile. Ce sont des francs-maçons qui s'unissent pour ensorceler le peuple de Dieu. 100% évangélique. Bon Dieu, bénis, fais un peu vite parce que nous allons partir. Oui, juste une question. Est-ce qu'il y a une enveloppe pour mettre l'argent selon la joie? Selon la joie, oui, c'est ce que dit la Bible. Selon ce que le Seigneur a mis dans votre cœur. Si le Seigneur a mis dans votre cœur de donner 5 dollars, vous mettez 5 dollars dans l'enveloppe. Ou vous apportez, ou que, si vous n'avez pas d'enveloppe. Parce que c'est ça l'offrande volonté, c'est ça les libéralités que l'Évangile a demandé. Qu'il faut donner avec joie, sans contrainte. Non, il y a une enveloppe là, il dit, vous mettez, sous les 50 ans, vous mettez 50 dollars, sous les 60 ans, vous mettez 60 dollars. Il fallait demander à ce pasteur, est-ce que ce qu'il a dit là est biblique ou pas? Si vous avez 50 ans, vous mettez 50 dollars, si vous avez 100 ans. Mais ça, c'est abominable, ma soeur. Mais il faut dire à ce pasteur en face qu'il est un démon. Plus que démon. Ah oui, plus que démon, amen. Parce que ça, c'est anti-biblique, c'est abominable, ça. Non, il ne faut pas rester dans ce camp de concentration, ces salles d'attente pour enfer, ma soeur. Il faut sortir de ces salles d'attente, d'accord? Soyez bénis, ma soeur. Soyez bénis. Chers téléspectateurs, bonne fin d'après-midi. Nous vous aimons. Et nous saluons en partant notre frère bien-aimé, collègue et compagnon de l'Évangile, le frère Georges Namar, ainsi que tous ses collègues, toutes ses équipes qui dénoncent les faux pasteurs, les francs-maçons, tous les faux systèmes qu'ils utilisent, qu'ils rentrent à l'intérieur de l'Église de Jésus-Christ. Nous les saluons très fort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous vous aimons, chers téléspectateurs. Soyez bénis et à dimanche prochain pour une autre émission où nous pourrons, selon la grâce du Seigneur, vous présenter l'émission sur les sacrifices de bébés et d'autres sacrifices humains et des pasteurs qui mangent de la chair humaine chaque jeudi pour qu'ils aient de pouvoir pour guérir des malades, jeter des sorts et guérir les malades. Ensuite, pour qu'ils aient de pouvoir, ce pouvoir s'appelle le pouvoir de la Silly, pour frapper les gens dans le visage et que les gens tombent, voilà, et que pour qu'ils disent que c'est un démon qui est dans la personne.
Alors soyez bénis et nous vous aimons dans le Seigneur. Bon courage et sortez de ces camps de concentration. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Bye bye.